Angoulême, avec ses pin-up en marbre, son festival interstellaire de bande dessinée et sa présidente de région pittoresque, est aussi le berceau du festival du film francophone 4e édition. Un anticane bonne franquette, sans yacht ni bimbo, mais avec tapis rouge et public cinéphile. Moteur demandé, ça tourne pour le festival du film francophone à Angoulême. 10 films en compétition, 9 jurés et un président de charme cette année, Vincent Pérez. Angoulême, je connaissais par la bande dessinée, parce que je suis venu aussi plusieurs fois. Être président de ce festival me réjouit. J'ai l'impression que la sélection est vraiment très intéressante. Le rôle de juré, c'est quelque chose à prendre au sérieux parce qu'on peut, on a ses préférences et je crois qu'il ne faut pas hésiter après à se battre pour les défendre. J'attends, qu'est-ce que j'attends des fils ? Déjà des rencontres humaines avec les autres membres du jury, être émue comme toute spectatrice quand je vais au cinéma, quoi, avoir un coup de cœur. Pour l'instant, là, on vient de prendre contact, les membres du jury, donc on se découvre. Encore plus de stars à Angoulême cette semaine avec Omar et François Cluzet pour leur nouveau film Intouchable, l'un des événements ciné à venir. Oui. Ce soir, c'est la grande première. Il y a Omar et François ont vu une copie de travail. Ils n'ont même pas vu le film. Ils vont le découvrir ce soir avec nous. Donc c'est un grand moment, d'autant plus que pour nous, Angoulême a une couleur particulière parce qu'on y a tourné nos jours heureux. Donc c'est des souvenirs à vie gravés dans nos mémoires. Et là, de se retrouver là pour la grande première d'Intouchable. Je répète, personne ne l'a vu. Voilà, personne. Les techniciens du film n'ont pas vu, personne ne l'a vu. Les sélectionneurs officiels du festival, comme Dominique et Marie-France, évidemment l'ont vu. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà. Un mélange parfait pour confronter l'équipe du film. Éric Toledano, Olivier Nakache, Omar Sy pour Elisabeth Tchungi. Les professionnels. Patrick Rothman. Carlos Gomez, première. Pierre Vavasseur, 1. Ont-ils tous vu le même film ? Un handicapé social qui va rencontrer un handicapé physique. Un aristo qui est devenu tétraplégique après un accident de parapente décide d'engager comme aide à domicile un mec qu'il n'aurait jamais dû engager. J'avoue que moi, j'ai souvent des préjugés avec les gens riches. J'ai l'impression que, ben voilà, ils ne sont pas de mon monde, en fait. Et quand Omar se met à danser et entraîne tout le monde dans cette danse incroyable, là, il déborde d'amour, de générosité, d'exubérance. Je suis un fan d'Omar, mais quand il danse, ça me met en transe. Ça me rappelle à quel point je ne sais pas danser. Ça me rappelle à quel point, quand j'avais 14 ans, quand j'étais invité à une boum, j'aurais voulu avoir cette classe. Il dit « Je ne sens plus mes jambes ». Ça glisse comme ça. Ah tiens, la preuve, standing ovation du public d'Angoulême. On a fait ce film avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'échanges, beaucoup de pudeur, beaucoup de générosité. Et pour ma part, j'ai découvert un partenaire de rêve, un grand acteur, Omar. J'espère que vous êtes partenaire. Parce que c'est la première fois, parce que c'est à Angoulême et que c'est le premier long métrage que j'ai fait avec Eric Olivier, c'était aussi à Angoulême. Donc voilà, j'ai comme l'impression que tout ça est encore un petit planète du destin, hein, j'ai envie de dire. Puis voilà, je vous remercie d'être là aussi nombreux, enfin, tous les vues comme ça, qu'on dit d'habitude. C'est l'émotion, voilà, j'ai envie de dire, bon ben. Yes, we can. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien, monsieur Marico? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Il n'y a pas une méthodologie pour apprendre à jouer des sentiments en général, j'ai envie de dire, mais ceux-là en particulier. J'avais plein d'angoisse vis-à-vis de ce film. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Cette angoisse de ne pas être à la hauteur, dans l'interprétation, de ne pas rendre compte de ça assez bien. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire. Moi, la projection qu'on a faite pour Alain et moi, ça a été un des plus beaux jours de ma vie.
Cette semaine, direction le festival du film francophone d'Angoulême, où vous avez d'ailleurs été primé. Philippe Torreton, meilleur acteur. La guerre est déclarée. Valérie Donzelli, meilleur film. Et aussi prix du public. Et nous, prix du public aussi. Oui, oui, très, oui. Important, très important, le prix du public. On était bien. On était heureux. Attends, j'ai hâte qu'on soit à la maison. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Je voulais donc vous souhaiter une bonne projection et j'espère que le film vous plaira. En tout cas, nous, on est très contents d'être là pour le présenter. On a vu du très bon cinéma, à commencer par L'exercice de l'État de Pierre Scholler. Le réalisateur français saisit sur le vif le quotidien d'un ministre, on s'y croirait. De toute façon, cette privatisation, ce serait la connerie du quinquennat. Moi, vous êtes en accord avec vous, mais... Même toi, tu l'as toujours pensé. Peralta a parlé d'un projet de collectif. Rien n'est arbitré. Je sais, Gilles, j'ai commandé un rapport et le jour de sa sortie, ce Lufia se permet de dire la privatisation, on y pense, on y réfléchit, on s'y prépare. Mais je vais te dire, moi, Peralta, il va pleurer sa mère. Vous voulez un démenti de Matignon? Oui, absolument, tu as accès de dire qu'il n'y a pas dire qu'il y a. Aujourd'hui, l'action d'un homme politique est l'action d'un cabinet. C'est pas un homme, c'est un homme qui représente une action qui est commune, en fait. Et même ses faits et gestes sont souvent gouvernés par d'autres rapports de force. Le chef de cabinet est un peu le mentor du ministre, et le film va aussi raconter comment ce ministre va, peu à peu, s'émanciper et reprendre sa parole. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre... Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus... Tu es avec moi ou contre moi? À Matignon, dans une... Merde! Le cinéma africain est aussi présent en compétition officielle. Viva Riva de Joe Tundawa Munga est l'un des 10 longs métrages en lice. Ce jeune réalisateur congolais a choisi le film de genre, le polar, pour nous plonger dans sa ville, Kinshasa. Bingo! Allez, démarre. Dans Viva Riva, le réalisateur s'attache à Kinshasa qu'il nous dévoile. La richesse des histoires qui jalonnent les 15 dernières années du Congo sont sa matière première. Ici, la pénurie de carburant au début des années 2000. Il y a le côté survie, évidemment, le côté un peu gangstérisme, le besoin de trouver des petites solutions. Mais il y a aussi le côté poétique, une espèce d'amour infini et une nonchalance face à la vie et face à la mort aussi. Et donc voilà. Et là, Riva, c'est un petit peu ça, c'est ce mélange, entre guillemets, quelqu'un qui est toujours entre les lignes, quoi. Rythmé, bien réalisé et attachant, c'est une des belles surprises de la sélection officielle. La Brindille, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre à 6 mois de grossesse qu'elle est enceinte. Tu as survécu? Ah non, mais c'est pas possible, j'ai pas eu de relation avec quelqu'un depuis au moins 6 mois. Alors, vous voyez, ici c'est la tête, le cœur, ici ses mains, vous êtes enceinte d'un peu plus. Et elle ne veut pas de cet enfant. Donc, on va la suivre pendant ces 3 derniers mois jusqu'à la naissance du bébé, sans réellement savoir si, oui ou non, elle va le garder ou le faire adopter. Tu vas être mère, que ça te plaise ou pas. Et ça exige une hygiène de vie et une préparation à la séparation. C'est des familles un peu modèles, non? Les familles qui adoptent. Magnifique. Donc le... Et on est que jeudi. Quand est-ce qu'une histoire commence? Au premier rendez-vous? Au premier baiser? Au premier... Je t'aime. On était heureux, amoureux. J'en reviens à la fin de toi. Fais-le-moi. Oui, je suis en rêve d'accoucher devant 500 personnes. En fait, c'est ce soir. Je voudrais juste remercier l'organisateur de ce festival, Dominique Destner. Non seulement parce qu'il est l'organisateur du festival, mais surtout parce qu'il est producteur. Du festival d'Angoulême, on pense tout de suite à la bande dessinée. Mais depuis 4 ans, cette ville française célèbre aussi le cinéma francophone. Et cette 4e édition rend hommage au 7e art tunisien. Une décision prise bien avant la Révolution. Nouri, Raja Amari, Ferchou, c'est quand même des gens qui font un cinéma de réflexion, un cinéma d'art essai. Et voilà, c'est un cinéma qui a une vision, qui a un point de vue de cinéma. Voilà, il y a l'idée de cinéma dans ces films. La Révolution mérite, moi non, mais la Révolution mérite cet hommage et c'est un mouvement
inattendu, un mouvement très fort, un mouvement profond, un mouvement salutaire, un mouvement d'avenir qui va rester. Voilà pourquoi le réalisateur tunisien s'est retrouvé au palais de justice d'Angoulême, non pas pour être jugé et condamné comme sous Bourguiba, mais pour participer à un débat sur la liberté d'expression et de création. Quant aux festivaliers, ils peuvent redécouvrir ces films comme L'homme de cendre, sélectionné en 1986 au Festival de Cannes. La quatrième édition du Festival du film francophone d'Angoulême est désormais sur les rails. D'avant-première en projection spéciale en passant par la sélection officielle, de nombreux spectateurs cèdent à l'appel de l'écran. Petit bonus hier soir, c'était Sous les étoiles. Jérôme Deboeuf, Cécile Landais, Stéphane Hamon et Maud Coudrin nous racontent tout ça. C'est agréable, hein, surtout par un temps comme ça, il fait beau, il fait frais. Ce soir-là, le réalisateur Pierre Salvadori, à qui le festival consacre un focus, vient présenter l'un de ses films de vrais mensonges. C'est quelque chose qui m'enchante parce que ça donne au cinéma une dimension ludique, légère. Voilà. Et en même temps, je me dis que si on arrive à garder l'attention du spectateur dans un lieu ouvert comme ça et tout, c'est marrant, quoi. C'est que le film est réussi, c'est qu'on a réussi à captiver les gens. Son palmarès dans quelques heures. 10 films en compétition pour 7 prix, les Valois. Cette quatrième édition a-t-elle séduit les cinéphiles ? Le Valois du public est attribué à Présumé coupable de Vincent Carlier. Est-ce que je veux enfin savoir précisément pourquoi je suis là ? Si je gagne le prix Magélis, le prix... je suis content. Et si je gagne pas, je suis content quand même. Le cinéma est vraiment un art majeur et on a pu le ressentir en voyant tous ces films. Donc voilà, je voulais simplement aussi dire, remercier mon jury. J'étais très heureux de retrouver tout le monde. Une petite pensée pour Linda, avec qui on a vécu une magnifique aventure il y a 2-3 ans, hein, à Indochine. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé. Et puis tout le monde. Dominique, Marie-France et Patrick, merci pour ce festival merveilleux. Merci. Le Valois, ou plus exactement, les Valois de la meilleure actrice sont attribués ex aequo à Nadine Labaki pour son interprétation dans Bal perdu. D'abord, je voudrais remercier le jury pour ce prix. Et puis, je voudrais remercier énormément Dominique Besnéard et Marie-France Prière et le festival d'Angoulême pour m'avoir offert autant d'émotions. Et puis, je voudrais surtout partager ce prix avec Georges Hachin, qui est le réalisateur du film Bal perdu. Merci, Georges. Je voudrais merci de m'avoir offert un aussi beau rôle. Julien, vous nous... Alors, il manque ex aequo avec Madeleine Péloquin pour son interprétation dans Pour l'amour de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me confortes. Tout à l'heure, pendant la cérémonie, j'ai douté. Si jamais je gagne, je serai, je crois, en manque de vocabulaire pour exprimer quoi que ce soit. Je crois que ce sera l'état des choses. Très bon petit exercice. Donc, j'espère retrouver mon Québécois avant cette occasion, si jamais elle a lieu. Mais sinon, c'est merveilleux d'être ici. Alors, c'est déjà beaucoup. Merci. Le Valois de meilleur acteur a été attribué à Philippe Torreton dans son rôle de Présumé coupable. Philippe Torreton récompensé par le prix du meilleur acteur au Festival du film francophone d'Angoulême hier pour son rôle dans Présumé coupable, un film qui retrace le calvaire d'Alain Maréco, cet huissier pris dans l'engrenage de l'affaire Doutreau. La récompense, elle est venue quand Alain Maréco a vu le film. Il ne s'est pas senti trahi par ce qu'on avait fait. Donc voilà. Une réponse un peu sérieuse et je m'en excuse. Mais c'est là que j'ai envie de faire. Donc
Amusez-vous bien. La mise en scène a été attribuée à Pierre Scheler pour l'exercice de l'État. Ça va? Ah, j'ai fait une fausse route. C'est con pour un ministre des Transports. Je vais dire comme Michel Blanc dans le film, j'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé. Je dis nous parce que je ne peux que associer mes comédiens. Tous mes comédiens, tous mes techniciens, Denis Fred, d'une certaine manière aussi, Diafana. Et je remercie profondément Angoulême, Marie-France, Dominique et tous les autres. Merci beaucoup. Bien, il est temps de conclure pour vous l'annonce de ce palmarès en nous révélant le titre du Valois du meilleur film. Je ne vais pas le faire seul. Olivier, qui voulait absolument le présenter avec moi, et je propose à Nouri aussi, qui a beaucoup aimé le film, donc c'est les réalisateurs de ce jury. Il n'y a pas d'autres réalisateurs, mais il y a des actrices, des acteurs, des journalistes, des scénaristes. Voilà, bon, bah, je pense que c'est un film qui a fait l'unanimité. Valérie Donzelli avec La guerre déclarée, c'est un film absolument magnifique. Au cinéma, un film très touchant sort mercredi. Il s'appelle « La guerre est déclarée » de Valérie Donzelli, qui a d'ailleurs été primée aujourd'hui au Festival d'Angoulême et qui avait été chaleureusement saluée à Cannes. L'histoire d'un couple qui va se battre pour sauver son petit garçon atteint d'un cancer. Une histoire d'amour avant tout, mais aussi pleine d'humour et d'énergie. On était très contents de venir à Angoulême. Là, on n'a pas pu rester. On est en duplex de Strasbourg, ouais. C'est là où on est. Et du coup, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Mais voilà, si en tout cas on est là face à vous, c'est qu'il s'est passé quelque chose de joyeux. Et pour ça, on vous dit merci. Le festival du film francophone d'Angoulême sera reconduit en 2012. La quatrième édition a été une réussite au plan artistique, avec des films en compétition de qualité et une excellente fréquentation. Un budget de 450 000 euros financé par le privé et le public. Le pôle Image finance à hauteur de la moitié de ce budget. Le festival s'inscrit dans la logique de Magélis. C'est un vecteur de communication supplémentaire pour le développement économique de ce pôle charentais. On y rencontre durant ce festival, outre des artistes, et c'est bien qu'ils soient là, mais également des réalisateurs, des producteurs, et une série de rencontres et de rendez-vous nous permettent de penser que des tournages auront encore lieu sur le territoire, avec à la fois l'apport économique que ça représente, mais également l'apport professionnel. Un festival qui cette année serait passé de l'adolescence à l'âge adulte, avec une reconnaissance supplémentaire, celle de la sphère politique. Le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand qui s'est déplacé samedi, puis Martine Aubry qui assistait dimanche à la cérémonie de clôture. Thank you.